Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Que vont devenir les clients de ma French Bank? Et ça y est, nous connaissons enfin qui est le repreneur et ce qu'elle propose. Eh bien, nous allons voir ça juste après le générique. C'est parti! Eh oui, ma French Bank, la banque en ligne néo-bancaire qui a été créée en 2019 pour apporter un compte à toutes les personnes interdits bancaires qui nous vient de la maison mère, la banque postale, a donc décidé en décembre 2023 de mettre un terme à ses activités de ma French Bank. Eh oui, ma French Bank n'a pas été rentable, n'a pas su récupérer un bon grand nombre de clients. 650 000 référencés par la banque postale au nombre de clients chez ma French Bank, mais en ce 14 juin, ma French Bank a obtenu 675 000 clients. Donc on voit qu'il y a eu quand même des ouvertures de compte depuis la fermeture annoncée de la banque postale. La banque postale a donc fait son point de communication le 20 décembre pour dire c'est terminé 2024. 2025, nous cherchons des solutions, soit par reprendre les clients, ou soit directement un acquéreur qui rachètera ma French Bank et qui reprendra les clients. Mais c'est chose faite depuis le 14 juin, on sait désormais qui est le repreneur de ma French Bank. Eh oui, les 675 000 clients annoncés par ma French Bank vont toutes recevoir un courrier annonçant que la possibilité d'y ouvrir un compte à la banque postale y est d'ores et déjà possible. Donc, petit à petit, le côté enclenché de ma French Bank pour sa fermeture est donc acté du 14 juin à l'été 2025. Petit à petit, la structure ma French Bank arrêtera ses activités peu à peu. Et donc, les 675 000 clients qui sont abonnés à ma French Bank vont recevoir un courrier les incitant à ouvrir un compte à la banque postale. Mais la banque postale ne laisse pas ses clients comme cela. Elle leur offre 50 euros de prime de bienvenue pour ouvrir un compte, n'importe quel compte, à la banque postale, puisqu'il faut savoir que si vous êtes interdit bancaire, vous pourrez donc acquérir ma French Bank. Vous pouviez acquérir ma French Bank, voilà, que je me trompe pas. Vous avez donc eu un compte à ma French Bank, et bien la banque postale étant la maison mère et acceptant sans avoir besoin de la CPR, la Banque de France, sans avoir besoin du droit au compte, les interdits bancaires sont les bienvenus à la banque postale. Donc la banque postale vous ouvrira un compte, quelle que soit l'offre que vous sollicitez, que ce soit Realis, que ce soit Visa Classique, Visa Première, et là vous aurez votre offre qui vous sera ouverte. Elle a donc décidé de vous offrir 50 euros de prime de bienvenue. C'est pas grand-chose, mais c'est 50 euros. Mais elle a donc aussi décidé de vous offrir aussi les frais à l'étranger jusqu'à la fin de l'année 2024, gratuit. Donc vous aurez déjà les frais quand vous irez à l'étranger gratuitement. Voilà ce dont elle a donc décidé de vous faire apporter au sujet de ma French Bank qui va fermer ses portes. C'est acté, peu à peu, ma French Bank va cesser ses activités pas à pas. Vous aurez moins de mises à jour, vous aurez moins de présence du service client. Vous aurez donc peu à peu des options qui disparaîtront de votre compte. Alors, comment ça va se passer la migration de la partie My French Bank sur un compte de la banque postale? Eh bien, ça sera très simple. Il suffira de vous connecter via la banquepostale.fr, d'ouvrir votre compte et d'annoncer que vous êtes un client de My French Bank. Là, tous vos documents seront donc récupérés. Vous n'aurez donc rien à faire de plus. Choisir simplement l'offre qu'il vous convient. Et là, vous aurez votre compte qui sera accepté par la banque postale. Que vous sollicitez une carte Visa Première ou une Visa Classique ou une Visa Realis, vous y aurez accès sans aucun souci.
Alors, vous aurez donc accès aussi à la mobilité bancaire, auquel vous pourrez donc avoir pleinement la mobilité qui se chargera de remettre les IBAN à vos créanciers sans même que vous ayez quoi que ce soit à faire. Alors, c'est donc acté depuis le 14 juin 2024. Il y a eu déjà quelques clients qui ont reçu un petit courrier email annonçant la demande de choix s'ils sollicitaient ouvrir un compte à la banque postale, et qui la banque postale a donc ainsi pris le côté d'annoncer quelle était la maison qui reprendrait la French Bank. Ça, on le savait, puisque depuis qu'elle est venue annoncer, qu'elle a annoncé qu'elle solliciterait peut-être reprendre les clients ou bien voir si il y aurait un repreneur. On s'était bien douté que la banque postale ne reprendrait pas ses clients, ne reprendrait pas ses clients pour les mettre directement chez un repreneur comme l'a fait Orange Bank pour les mettre chez Hello Bank. Non. Donc on l'a très bien vu que la banque postale en 2023 a été déficitaire, elle a perdu beaucoup d'argent, elle s'est donc pris d'annonce de faire part que seule elle reprendrait ses 6 500 clients qu'elle annonce elle-même, mais ses 675 000 clients qu'annonce la banque postale à travers ma French Bank seront donc là. Donc ce n'est pas tout, elle ne laisse encore pas encore ses clients sans suite, puisque on attendait aussi qu'on a eu une petite histoire que le côté mobile, forfait mobile, la banque postale disposait de la poste mobile. La poste mobile va donc offrir à celui qui sera client de la banque postale 2 mois gratuits à un compte chez Poste Mobile. Chez la poste mobile, vous aurez donc un forfait 2 mois gratuits si vous ouvrez un forfait en étant client à la banque postale. Voilà, donc c'est ce qu'elle a annoncé pour ses clients. Donc voilà, la banque postale est donc la repreneuse. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte à la banque postale, faites-le dès à présent. Voilà, comme ça vous aurez un compte pleinement ouvert et vous aurez 7 000 points de poste, de bureau de poste à disposition. Et si vous ne sollicitez pas la banque postale car vous y avez vécu ou vous y avez entendu parler de mauvais retours d'un client déjà été client à la banque postale, je vous invite donc, si vous êtes interdit bancaire, de vous retourner si vous ne pouvez pas entrer dans une banque traditionnelle classique, que vous n'avez pas le droit au compte, d'aller en banque en ligne. Il y a deux banques en ligne qui acceptent les interdits bancaires, c'est Boursorama et Monabank. Ces deux banques-là, vous pourrez y acquérir un compte. Mais si vous ne sollicitez pas, vous retrouvez quasiment dans le domaine des banques en ligne, car vous ne vous sollicitez plus avoir affaire aux banques. Les néobanques sont là. Il y a Bunk, il y a Revolut et il y a N26. Mais pour celui qui souhaite la proximité, il y a le compte Nickel, celui que je ne cesserai de vous faire parvenir, car le compte Nickel agit tout comme une banque traditionnelle classique. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout, c'est arrivé, maintenant on le sait, peu à peu les services de ma French Bank vont cesser, la banque postale va faire un envoi courrier à tous ses clients peu à peu jusqu'en juin-juillet 2025, puisqu'elle a annoncé l'été 2025. Voilà, donc depuis le 14, c'est déjà parti, certains ont déjà les courriers, d'autres vont pas tarder à les recevoir. Alors à vous de voir, soit vous partez à la banque postale, vous avez une offre comme si vous sollicitiez être dans une banque, vous êtes dans une banque, et sinon je vous ai tout donné de mes conseils. Vous avez la banque Boursorama, vous avez Monabank qui accepte les interdits bancaires et qui saura vous satisfaire. Mais si vous n'êtes pas interdit bancaire, vous avez le choix par vous-même. Voilà. Et pour les néobanques et les fintechs, vous avez Bunk, Revolut, N26
ou encore le compte Nickel que je ne cesserai de vous conseiller. Voilà. Donc j'avais des questions sur la banque postale qui enfin, on sait que c'est elle qui reprend ses clients de ma French Bank, qui ma French Bank, j'espère, les conseillers qui étaient vraiment de très bons conseillers vont se retrouver dans un des points de banque postale ou vont de leur part eux-mêmes aller dans de banques autre que la banque postale. Ou on verra bien ce qu'il se passera pour eux-mêmes à la suite. Voilà. Donc la French Bank, c'est acté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le passage. On verra bien si la banque postale a réussi à acquérir les clients de la banque. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Donc des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.